Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de The Evil Within 2. Bon, avant de continuer, j'ai réussi les derniers le centre de tir, donc totalement. J'ai donc du gel vert à utiliser avant de poursuivre l'aventure, ce qui va nous être assez utile au final. Vous devriez arrêter de se voir autant, inspecteur. Oh non, quand même pas. Je pense qu'on devrait se voir plus souvent. Alors. Endurance, en soi l'endurance, au final ça ira. Récupération, non, c'était quoi que je voulais améliorer? Combat, barrage, non, furtivité, ah peut-être la furtivité. Ouais, je vais me déplacer plus vite, position coupie, ça sera utile. Déverrouiller ça, ça coûte 12 000. Je vais peut-être garder un peu. Un peu plus de santé. Je sais pas. Je sais pas trop. On va garder les 9000. On va attendre d'avoir un peu plus. Et une fois qu'on aura plus, on verra ce qu'on va dépenser. Enfin, dans quoi on va dépenser notre argent. Pour l'heure. Déjà qu'on a amélioré la vitesse de notre coup accroupi, c'est déjà suffisant. Enfin, je pense. Oui. On va être un peu plus sneaky, Solid Snake, etc. etc. Bon. Ah oui, on a une bombe à désactiver, c'est ça? Il me semble. Bon. C'est dans cette pièce-là qu'on nous a dit. Alors, vous connaissez Théodore Wallace? Bien sûr, c'est le chef du recrutement. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le STEM? Et pourquoi il fait ça? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Théodore veut Lily pour ses propres desseins. Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill? Il fera subir le même sort à tout le monde s'il le faut. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. Oh non! Allez, c'est parti! Oh, ça ressemble à l'autre appareil. Okay. Qu'est-ce que c'est? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champ stable. C'est ça, ouais. En tout cas, O'Neill nous a dit de le détruire. Alors c'est ce que je vais faire. Et je sais comment. C'est moi. Sébastien, j'ai commencé à croire que tu m'avais oublié. Alors, est-ce que t'as fini d'armer tes trucs? Ouais, cherchais justement une excuse pour les utiliser. Bien, je t'envoie mes coordonnées. Apporte l'artillerie lourde, ça va péter. Compris. Ouais. Je suis en route, à tout de suite. Ceinturer le truc d'explosif. J'ai presque terminé. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Ok. Oh! Il y a des goodies ici? D'accord. Ben dans ce cas, ça vaut peut-être le coup de faire le tour. Ben on va voir, est-ce qu'il n'y aurait pas des munitions, des petits trucs assez sympas dans les fauteuils ou dans les baignoires plutôt? Oh! Hey! Salut, baby! Allez, prendre. 20 sur 32. Oh. Je me débrouille assez bien. Il y en a eu une, c'est sûr que j'ai loupé. J'ai besoin de quelques clarifications, Hoffman. Vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici. Pourquoi le serais-je? C'est un visage familier dans le STEM. Tout le monde connaît tout le monde chez Mobius, hein? C'est plutôt moi qui connais tout le monde. J'évalue les nouvelles recrues depuis des années. Comme une grande famille à problème. Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses. C'est un bon soldat. Ah, ça, c'est la putain de vérité. J'imagine que vous connaissez Mira, aussi. En effet. Nous avons travaillé ensemble. Alors dites-moi un peu. Comment a-t-elle pu rester les bras croisés pendant qu'il faisait des expériences sur Lily? Comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort? Mira a un instinct maternel exacerbé. Elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily. Et le mot « expérience » est un peu fort. Ouais, Lily était bien traitée et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne.
Ouais. Quant à l'annonce de votre mort, j'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily. Ouais, ben... Il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné. Avec un peu de chance, vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini. Autour d'une table, je préférerais. Je suis entré dans la réalité de Théodore. Si c'est le reflet de sa psyché, il a clairement de graves problèmes de santé mentale. Ça expliquerait pourquoi il est si puissant. Et pourtant, il se cache. Peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre. Eh ben, je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul. Si ce que nous a dit Liam est vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est de tout faire péter! Vous feriez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera. Je n'y comptais pas. Il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travaillait Liam. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. D'accord. Mais ensuite, vous retournez dans votre planque. On ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc. Entendu. Mmh. Hop. Esmeralda... Avant de lui parler, je vais aller utiliser la petite clé, ça serait utile. Oh, par contre, je n'arrive pas tellement à voir ma jauge. Ouais. Je vais peut-être... Ouais. On va dire un truc un peu comme ça. Voilà. Hop là. Voyons voir ce que cache cette petite clé avant de faire quoi que ce soit. Parce que peut-être que ça peut nous aider. Je sens tellement le truc, la merde qui va se passer quand on va faire sauter l'engin. En général, quand on a un jeu qui nous demande d'activer une action assez importante, c'est qu'il va se passer quelque chose de grave. L'habitude. On va terminer cette colonne. Et du gel rouge. Pas tellement ce que j'aurais voulu, mais bon. On a quasiment tout déverrouillé, je pense. Donc, allez. On va voir ce qui se passe maintenant. Si on fait péter ce truc. Waouh. Ok. Oh, je suis crevé, excusez-moi. Je passe des semaines assez difficiles en ce moment. Bientôt les vacances. Ah là là. Pardon. Dis-moi, Torres. Vous connaissez Hoffman avant tout ça? Tout le monde connaît Hoffman. On rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau. On peut lui faire confiance? J'aurais dit non avant, mais... Être abandonné par ses supérieurs, ça remet les choses en perspective. Elle est coincée ici, comme nous. Donc t'as des doutes? Bah, elle est pas méchante. Juste un peu froide. J'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye. J'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc. Moi non plus. Mais au moins, on tente quelque chose. Je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser Lily tranquille. Il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles. Ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue? Ça veut dire que tu dois être prête à tout. Tu sais pas ce qui peut se passer ici. Yep. Ne le prends pas mal, mais comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi s'est-elle retrouvée chez Mobius? J'étais experte en démolition dans l'armée. Ils m'ont envoyée chez Mobius pour des opérations secrètes. Une fois mon contrat terminé, ils sont venus me chercher. Et tu les as rejoints comme ça? Ils se sont montrés persuasifs. Ils te disent pas tout quand tu signes. Et... on m'a chargée de faire des choses dont je suis pas vraiment fière. Ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément, et dans le cas contraire... Alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller, je l'ai saisi. J'ai encore quelques principes, malgré les trucs que j'ai dû faire. Ok, eh ben... Ce sera suffisant pour malin, c'est ça? Oh oui, largement. Et c'est prêt à péter à ton signal. Je suis prêt. Je vais jeter un œil au matériel dans l'autre pièce. Bonne chance à tous les deux. Bonne chance, on va juste faire péter le truc, hein. Bon, je sens tellement mal. Opération potage de cul, lancement dans 3, 2, 1. Est-ce que ça va, Torres? Torres?
Où est-ce que... Sebastian Castellanos. Vous refusez d'embrasser les ténèbres. Alors vous essayez de m'apporter la lumière. Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte. Alors venez, je vous attends. Vous voulez retrouver votre fille adorée. Venez donc. Venez réaliser votre rêve. Mon Dieu, Lily, tu es là. Ok. C'est bon. Bon. Eh ben, allons-y. Wait. Oh shit. Des ennemis dans le coin? Ce flingue que je... Merde, c'est le... l'équipement que j'ai utilisé pour le stand de tir. Shit. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Aïe! Voilà. Toi, t'es mort. C'est tout ce que je voulais. Du coup... là, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, serait-ce... Oh non! Oh! Cool. Ben, faisons gaffe aux objets qui apparaissent ici, du coup. Il y a l'air d'y avoir des objets assez intéressants. Hop là! T'es morte. Tu lâches rien? Si... Je me disais aussi... Bon... Non. Où, quand, comment, pourquoi? J'ai quoi comme... Il me reste ça? Putain, j'aurais... Ah, mais j'oublie tout le temps! J'oublie tout le temps de faire des crafts, bordel de merde. Oui, il y en a un qui brille. C'est quoi ça? Oh, c'est un nouvel ennemi. Hop, t'es mort. Heureusement, ils sont sourds, ils n'entendent pas des bruits comme ça. Putain, j'ai pas fait de craft. J'ai pas fait de craft. Bon, il manque lui là-bas. Wait. Je tentais un truc. On va tenter ça déjà. C'était efficace. C'était très efficace. Par contre, je n'ai plus d'explosif. Ok, bon, je vais devoir gérer avec ce que j'ai. C'est pas grave. Il reste toujours le fusil à pompe. Il se manque quelques munitions et il faut vraiment que je pense à faire des crafts.
Vraiment. J'ai pas envie d'utiliser le craft portable. C'est pratique dans les cas d'urgence, mais... en soi, c'est plus une pénalité qu'autre chose. Quoique... à la limite, ouais, je vais voir si je peux pas me craft quelque chose de rapide. Carreau harponneur. Ouais, genre... ah, mais j'aurais pu m'en craft qu'un, de toute façon. Je peux toujours me craft... non, non. 5, c'est bon. Je vais éviter de cramer trop de ressources. J'ai attendu un mec là. Allez, nouveau mec. Wait. À quoi sert cet endroit? À se planquer? Est-ce que les ennemis nous suivent? Ok. Est-ce que les points jaunes sont ses points faibles? Apparemment, oui. Voilà. Vous êtes mort. Compris? Oh. Bon. Ça c'est fait. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là? Carreau harponneur nickel. Et une note. Page brûlée de soumis à la liberté de... Qu'est-ce que la liberté? C'est un mot et un concept. Le sujet a de nombreuses interprétations et à la fois hautement insignifiant à l'échelle de l'espace-temps. Nous sommes faits d'atomes. Chaque atome possède un noyau central entouré d'électrons. L'espace entre ces éléments est vaste. Nous sommes donc principalement constitués de vide. Voilà un fait difficile à accepter. Mais ce savoir offre un certain pouvoir. Ce consentement offre une certaine opportunité. La soumission offre une certaine force. Tant que vous acceptez de vous soumettre à la liberté. Ok. Cinquante-huit mètres, ça va, ok. On va récupérer ça. Putain. Oh putain. Hop, je gaspille mes munitions, mais comme une merde, c'est pas possible. Hop, c'est bon, j'ai une hache. Prochain ennemi, il va s'en prendre plein la face. Du coup, il y avait ici, que je voulais voir. Il n'y aura pas une statuette ou une merde dans le genre. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gros, parce que cela évite un peu mes munitions. Qu'avons-nous là? Oh, munitions de flingue! Cool! Je vais pouvoir recharger un peu. Là. Des goodies. Est-ce qu'il y en a encore? Non.
qu'il y a des monstres dans le coin. Oh. Là. Il n'y a rien. Je sens trop le fait qu'il y a des monstres qui vont pop ici. Allez, sortez de là. Non ? Je suis déçu. Vraiment déçu. Logiquement, j'ai tout vu. Au pire, tant pis. Hein. Ouais. Bien ce qui me semblait. Pas comme toi. Elle a essayé de te le dire. Mais tu étais trop stupide pour l'écouter. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Si. Mira a réussi là où vous avez échoué. Vous avez refusé d'écouter. Vous les avez perdus. Puis vous vous êtes perdus vous-même. Vous ne savez absolument rien de moi. Mira avait compris qu'on peut toujours atteindre son but en se soumettant, en collaborant. Oh putain. D'accord. Je ne m'aurais pas à ce petit jeu. Hop là, t'es mort. Ensuite. Ok. D'autres munitions dans le coin. D'autres balles. Non. Si, là, il y a des trucs. Il y a un ennemi. Viens par là. On repasse par ici. Allez, viens. Viens, toutou. Il est con. Voilà. Ok, il y a notre... Il y a notre espèce de... Truc rampant à 10 000 mâchoires. Oh, t'as une hache? Très bien. Putain! Ok, ça fait flipper le con. T'es mort. T'es mort. Vous êtes tous morts. Et enterrés vivants. Ou non. Vous êtes morts et morts tout simplement. Hop là, je fais pas chier. Et tu crèves. Bon. Ça va, on progresse bien. Par contre, les attaques de corps à corps semblent faire de moins en moins de dégâts, donc il va falloir que j'améliore ce petit détail. Enfin, détail. Bien plus qu'un détail. Je vais repasser au flingue classique. Parce qu'au moins, lui, il a 8 balles. Hop là, t'es mort.
en a un autre là-bas. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup de le tuer. Voilà. Ça fait des trucs en plus. Pas de munitions? Ok. T'allais bien? Oh putain, ok. Voilà. Toi, au moins tu meurs tout de suite. C'est bien, tu comprends. Ok, par là. Le fusil à pompe au cas où. Sauvegarde. Ok, donc ça veut dire qu'il va y avoir un truc important dans le coin. Ok, plus de balles ici. Ah, je commence à être mal. C'est là que le slow-mo va être très utile. Il n'y a pas des munitions dans le coin? Non? J'ai besoin de munitions! Wait. Ah non, ça c'est des plantes! Ça n'a rien à voir, monsieur! Bon. J'essaie d'être sneaky. D'être malin. Bordel, j'aurais dû craft des trucs. J'aurais tellement dû craft. Bon. Pas grave. 52. Si ça tourne vraiment mal, je crafterai des trucs sur place. Bon. Descendons. Oh non. Cette fois-ci, je vais arriver à temps pour te sauver. Après tout ça, vous attendez encore vos retrouvailles avec Lily? Oui. 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 Je dois la trouver. Bien. Alors venez à moi. Ouais, mais ne te soumets pas à lui. Lily, c'est vraiment toi? Non, c'est une illusion. Lily. Non. Lily. La voilà. Votre précieuse fille. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Papa. Tu les as laissés faire. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Ce n'est pas elle. Non. Je t'en prie. Je ne pouvais pas. Mais je le voulais. Vous êtes condamné à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Non. Acceptez, et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily des griffes de Myra. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. Non.
Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Tu m'as tiré dessus, Sébastien. Quoi? Non. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Allez. Il faut sortir d'ici. Non. Non, 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 t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça, non. 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 Tu peux pas laisser t'atteindre. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Mira. Putain, on a tué Esmeralda. Où est-ce qu'il... Non... Je suis chez moi. Mais je l'aimais bien, Torres. Rendez-moi, Torres. Zut. Faut que j'aille recharger les batteries. Ah, mais putain... Ah, non. On a perdu Torres. Fait chier. La seule alliée féminine, la seule femme alliée qu'on ait eue dans ce jeu, en dehors de Kidman qui est à l'extérieur, mais là, elle était à l'intérieur, elle nous couvrait, bordel de merde. Putain. Lily. La chambre de Lily. Exactement comme elle était. Comme j'aurais aimé qu'elle reste. Ouais. On peut pas aller par ici, donc je pense qu'il faut descendre les escaliers. Mais c'est bizarre. Ok, toi t'étais pas bien branché. Attends, si je branchais dans le bon sens, ça marcherait mieux. Les dessins de Lily. Ah, j'espère qu'il lui reste une once d'innocence après tout ça. Oh, j'en ai bien peur que non. Je me suis tellement laissé aspirer par le boulot. Si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures. Je les passerai avec elle. Ouais. Symbole mystérieux. Ouais, mais je crois que c'est des références à Dishonored 2. Il me semble que c'est ça. Ou autre chose. Attendez, l'anneau. Ah non, c'est pas Oblivion. Parce qu'il y a des références à, des zones, à d'autres jeux de Bethesda. C'est pour ça. Bordel de merde. On se joue de moi. Cette lettre. Les dernières paroles de Mira. Elle était cachée dans ses dossiers. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre, je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement, on ne se reverra peut-être jamais. Le premier jeu. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela. Mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger. De la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais. Mais dans le cas contraire,
Je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie, rends-nous justice. À Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Mira. Je suis vraiment navrée, Sébastien. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant en plein délire, à parler à une hallucination. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. That's the spirit. Sébastien, réveillez-vous. Mais... Hoffman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous a conduit ici. Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver, mais... Non. Je lui ai tiré dessus. La plaie par balle était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ces créatures lui ont infligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. C'est ma faute. Encore non. Une fois. Non, c'est Théodore. Non, c'est faux. C'est pas de votre faute.
Ne laissez pas vous infliger ça. Théodore est le seul responsable de toute cette merde. Vous avez raison. Ce fils de pute. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de Liam a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieure. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Eh merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire 2 ou 3 réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. À tout à l'heure. Ok. Chapitre 13. Fortress. Et on a énormément de trucs du coup à récupérer. Dont l'arme de Torres. Désolé, Torres. Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. Ouais. Eh ben... Une nouvelle arme s'ajoute à notre inventaire. Et pour la première fois, on est une mitraillette dans l'histoire principale. Yes. Bon. Alors. On va parler à... Encore une chose, Hoffman. Théodore joue avec mes pensées. Chaque fois que je le vois, il retourne mes cauchemars contre moi. C'est tout lui. Il est maître en programmation neurolinguistique. Et ici, le côté linguistique devient caduque. Pourquoi perdre son temps à parler quand il lit en vous comme dans un livre ? Il a bien failli m'avoir. Mais j'ai cherché en moi-même. Et j'y ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit ce que je devais faire. Je sais maintenant que je peux l'affronter. Oui, ça se voit que vous êtes prêt. Mais comment ? Ouais. La psychologue de l'équipe. Esmeralda aurait peut-être survécu si elle n'avait pas tenté de me sauver. Ne culpabilisez pas. Elle m'a parlé du plan pendant que j'essayais de la sauver. Elle voulait le voir réussir. Elle a pris la décision de vous y inclure. Elle connaissait les risques et elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle a dit vous être redevable. Mais de quoi ? Nous nous connaissions à peine. Esmeralda est l'agent qui a enlevé Lily et qui a incendié votre maison. Elle se sentait coupable. C'est pour ça qu'elle a rejoint Mira. Et c'est pour ça qu'elle a risqué sa vie pour vous. Quoi ? Ne la détestez pas. À l'époque, elle n'avait pas le choix. Et elle a tout fait pour réparer ses torts. Je ne peux pas la détester. Elle s'est sacrifiée pour le plan. Elle s'est largement rachetée. Ok, donc ma théorie comme quoi Théodore était le responsable tombe à l'eau, du coup. Tant pis. Bah, c'est une bonne théorie, parce que lui, le feu est... Merde. Bon. Ah oui, il y avait un agent. C'est vrai. Agent qui avait une... Seringue, me semble-t-il. Hop, tac, on va la récupérer comme ça. C'est bon. Ok, seringue médicale, c'est parfait. Maintenant, je vais aller sauvegarder. J'ai envie de voir encore sur la nouvelle zone. J'ai envie de voir un peu. Et puis, ouais. On verra bien. Alors. Toi, c'est bon. Déjà, là. Tant qu'à faire. Amélioration d'armes. On va voir ce que je peux améliorer. Puissance de feu, à mon avis, ça doit pas être super puissant, donc on va l'améliorer une fois. Ok, cadence de tir. pas besoin.
Temps de rechargement, à mon avis, ouais, un peu. C'est une munition 45. J'améliore un tout petit peu tout ça. Et le reste, je vais laisser. Balles fusil d'assaut. Ouais, vu que ça gaspille pas mal de balles, ça m'étonne pas. Hop, comme ça. Cure Harpener 1. Hop. On va faire marin. C'est obligé. Hop. Quelle merde. Je vais en faire 2 balles de sniper quand même. 2 balles de fusil à pompe en plus. Et le reste en flingue. Merde, c'était pas celui-là que je voulais recharger, mais bon. Tant pis. Hop. Hop. Tac, tac. Ok, on va mettre pour l'instant l'arbalète ici. Le fusil d'assaut, je vais le garder dans les cas d'extrême, mais vraiment extrême urgence. Parce que je sens que ça va détonner sur des packs d'ennemis un peu trop... comment dire... proche. Ok. Déjà de retour, inspecteur ? Déjà... Ok. Donc, on n'a pas de clé. On avait dit que on faisait... ceci. Voilà. Combat. Hop. On va dire ça. Agiter, non. Et je pense que je vais à partir de maintenant me concentrer sur la vitalité. Ouais. Ça va. On progresse bien dans l'arbre de talent. Il reste quelques minutes avant la fin de la vidéo. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir à quoi ressemble la suite. Je suis genre hyper curieux. Hop. On va sauvegarder ici. Hop. On avance bien. On avance même très bien. Je suis hyper content. Hop. Du coup... juste pour voir, pour être sûr. C'est parti. Je pense que c'est par ici, hein, de toute façon. Hey, oh. Quelqu'un m'entend ? Oh, c'est vrai. Sykes, vous êtes toujours là ? Tout va bien ? Je vais bien, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque. Et voir ce qui se passe. Cool. Dernière étape. Fusil à pompe. Ça. Parfait. Donnez-vous la planque de Sykes. Donc l'endroit va être de nouveau peuplé. Ok. Donc ça va être vraiment l'endroit avec le théâtre qui est incendié, et là où il y a la forteresse de Mobius. Allez. Montrez-moi! Ah, c'est bloqué à 99%. Pourquoi? Ah, c'est bon. Allez, de retour à Union. Alors, qu'avons-nous ici? Hop là. Ok. Oh, on a des goodies. Yes! Yes, yes, yes.
C'est énorme. Un peu de café pour terminer la journée en beauté. Ok. Bon. Alors, voir à quoi ressemble cet extérieur. J'ai de quoi sauvegarder ici, donc du coup, je pourrais. Ok. Ça pue. J'aime pas ça. Putain. C'est une vraie forteresse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Le stem part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose. Je ne l'aurais pas fait si je n'y avais pas été contraint. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance, Sébastien. Et tenez-moi au courant, d'accord? Je dois savoir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir vous aider. C'est important, vous comprenez? Oui. Je vous tiens au courant. Bon. Eh ben... Oh, wait. Oh, putain. Il y a des gars avec des lance-flammes. D'accord. D'accord, donc ça va être un peu comme la fille à la scie électrique, c'est ça? Sauf qu'ils vont être... moins sympa. Ok. Tu seras puri. Tu ignores son appel. Aïe, putain! Tout feu, tout flamme. Le voilà. Il y en a un ou il y en a plusieurs par contre. Tu ne nous échapperas pas. Ok. Aïe. Ok, cool. Au secours! Est-ce qu'on peut le tuer discrètement? Là est la question. Aïe, putain! Accepte ces flammes. Je veux pas. Ok, je vais utiliser mon gros soin. Putain. Purifié.
putain. Aïe. Ok, ça part en couille. Carreau, non c'est ça, arbalète. Ça à gauche, ça à droite, j'ai plus l'habitude comme ça. C'est bon ? Oh putain, ce qu'il me fallait. J'y suis presque. Merci. Du coup, il m'en faut plus qu'un. Ok, d'accord. Donc je suis obligé de. Il y en a un deuxième à tuer. D'accord. J'ai eu ma réponse. Là-dedans, est-ce qu'il y aurait pas des munitions ? Allez, s'il te plaît, dites-moi que ça s'est rechargé. Oui ! Yes ! Des goodies. Donc ça veut dire que dans les autres planques, il y a des... Oh, dites-moi oui. Ok. Bon, déjà... Si je peux récupérer... il me reste encore un tout petit peu de temps... Vraiment un chouïa. J'ai accédé à la toiture. Pour récupérer juste 2-3 objets. Vraiment récupérer 2-3 objets. Hop. Comme ça, ça me fera des munitions. Et je pourrai mieux me préparer pour la suite. Ouais, cool. Allez, prends le pistolet 10. Yes. Yes. Ok, bon. Là, maintenant, je suis prêt. Oh putain, d'accord. Bon. Je vais aller sauvegarder. Parce que là, ça devient dangereux. je vais prendre un autre point de une autre sauvegarde que celle que j'ai faite parce que là je sens que je vais peut-être avoir besoin de revenir un point en arrière. Ok, ça s'annonce intéressant et assez tendu. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, allez, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci encore. Et puis, ah oui, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, c'est très important. Parce que je peux y poster des informations un peu importantes si jamais j'ai des retards sur des vidéos. Voilà. Allez, ciao !